J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et ça va être une vidéo très très spéciale pour moi puisque je vais vous amener avec moi pour les prochains jours à un genre de petit behind the scene de moi qui se prépare à launch ma small business. Je capote. J'en veux pas qu'on ait déjà rendu là. J'aurais aimé que ça soit plus tôt, mais ce sera ça et je suis terriblement fière. En ce matin, j'ai pris le temps de vraiment faire un petit reset avant de commencer la journée. Enfin, je me suis réveillée puis neige dehors. C'est genre Winter Wonderland, full full beau. Je pensais qu'il allait juste avoir de la petite neige. Déjà ça que ça allait faire genre de la slush. Mais non, c'est full beau, c'est tout blanc partout, les gros flocons. Oh, c'est merveilleux. J'ai pris le temps de faire mon lit, la vaisselle de hier pour vraiment que tout soit clean, que je commence tout à zéro comme je vous dis. Je me suis fait un bon déjeuner et là j'ai mon petit café glacé. Je suis déjà en mode full productive puis bon j'ai plein d'affaires à faire. Puis là je sais pas si j'annonce maintenant qu'est-ce que c'est, parce que là c'est ça, ça va être une vidéo sur plusieurs jours, donc moi en ce moment c'est comme encore un projet secret, j'ai rien launch, mais vous quand vous allez voir la vidéo ça va être la journée du launch, ok? Dans le fond je sais, je l'ai répété il y a quelques secondes, mais si vous le saviez pas déjà, si vous m'avez pas suivi là, dans mes derniers vlogs, j'ai décidé de me partir enfin une petite entreprise. Ça fait vraiment très très longtemps, je dois vous dire environ 2 ans que je pense à partir ça, puis à chaque fois j'avais pas les gosses de le faire, et là je me suis enfin décidée début octobre, et là on se retrouve déjà au mois de novembre et vous allez comprendre pourquoi j'aurais dû commencer plus tôt, puisque ma petite business sera des petites créations faites à la main pour votre décor chez vous. Enfin, ça va se rendre jusqu'à chez vous. J'en reviens pas que je dis ça. Oh wow, je suis tellement excitée. Je parle tout seul en ce moment. J'ai aucune idée c'est quoi le hype. J'ai hâte de voir vos commentaires. Mais c'est ça, dans le fond, je vais sortir plein de petites collections limitées à chaque saison. Et là, la toute première collection que je vais sortir, c'est une collection de Noël. Je suis tellement contente. C'est mon moment préféré de l'année pour magasiner, trouver plein de petits trucs cute qui vont faire chaleureux, qui vont mettre de la vie dans le décor. En tout cas, vous comprenez aussi que sortir une collection de Noël mi-novembre, c'est peut-être pas le best. J'aurais dû sortir ça 1er novembre, direct après l'Halloween. Mais je me suis décidée à faire ça un peu trop tard. J'ai juste rushé intensément à me lever à 9h le matin jusqu'à 3h du matin pendant la nuit à faire ça pendant des semaines. Je sais même pas pourquoi je suis encore debout en ce moment. Mais c'est fou comment ça m'énergise, comment c'est positif pour moi, comment je suis excitée. Tout le knowledge aussi que j'ai appris, c'est fou là, comment je change, je le sens. Je sais que c'est beaucoup une vidéo de blabla là. Je commence à parler vraiment beaucoup pour vous les voir le concret, puis je comprends ça. Donc vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous faire un peu un genre de haul de ce que j'ai créé, de ce que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet. Sinon, obviously, je vais vous mettre dans la barre d'infos ma boutique en ligne, donc vous allez pouvoir aller scroller, voir un peu tout ce que j'ai fait et tout ce qui va pouvoir être disponible pour ajouter à votre petit décor chez vous. Je suis Je peux pas me contenir, faut vraiment que je me calme parce que j'ai l'impression que ça gosse les gens que je sois autant excitée, peut-être que je parle trop vite, puis comme mais j'en reviens pas d'en faire ça. Puis comme je vous dis, ça va être vraiment des collections limitées, donc c'est pas des grandes quantités. Je fais pas affaire avec un gros fournisseur, puis c'est fait dans une usine. Je fais tout ça chez moi, dans mon petit appartement, mon petit bureau, et c'est tout fait entièrement avec amour. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans, je suis extrêmement fière. C'est vraiment mon petit bébé là que j'ai naître là, tu sais. Oh my god, je l'ai même pas dit encore, mais le nom de ma business c'est Laura Moore Création. J'ai aussi fait un compte Instagram où est-ce que vous allez voir plein de petits reels, des behind the scenes, comment ça a été fait, comment je fais pack les colis. Bref, je vais être vraiment super active, j'ai pris full de contenu tout le long du processus et bref, je vais arrêter de parler, je vais aller continuer de travailler là-dessus. En ce moment on est mercredi le 16 novembre et je dois encore travailler sur mon site web, rentrer toutes les infos, les prix, je vais prendre des photos aussi, commencer à poster un petit peu de contenu sur Instagram, mettre le hype up. Je sais pas si je vais vraiment tout filmer. Si on va se revoir demain ou après-demain ou peu importe. Ça va être vraiment un vlog de plusieurs jours. Je radote, je suis trop excitée, je capote, je dois boire mon café puis let's go. Ok, j'arrête pas d'oublier que là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus genre dans le secret parce que ma business va avoir déjà launch quand cette vidéo-là va sortir. Donc je peux vous montrer plein de sneak peeks puis des choses qui ont pas marché, que je suis vraiment triste. Mais bon, je vais me reprendre l'année prochaine, mais check ça. Je suis dans mon salon présentement et obviously, ça déborde de mon bureau, fallait que je mette des trucs dans mon salon. J'ai des petits bonhommes peints d'épices faits en argile juste ici que je vais peinturer, que je vais ajouter quelques petites touches de couleur, mais ça va être des beaux ornements pour le sapin. Et maintenant, la chose que j'étais le plus fière, que je trouvais tellement cute, j'ai attendu toute la nuit et il s'est passé quelque chose de terrible. Regardez!
J'avais fait plein de petits gnomes trop cute avec des petites tuques qui ont toutes brisé. Dans le fond, l'argile, c'est quand même très lourd. Ça pourrait coûter comme le double de shipping pour que vous ayez ça. Fait que tu sais, je voulais trouver une façon de faire en sorte que ce soit le moins lourd possible pour pas que vous payiez des frais qui ont pas d'allure. Alors, j'ai mis un petit cône de styrofoam à l'intérieur, mais probablement que le foam, genre, expande comme agrandi à cause de l'humidité de l'argile. Puis ça l'a tout craqué. C'est fou, là. Y a pas plus craqué que ça. J'suis tellement triste pour vrai, là. Ils ont tous fait ça. J'avais fait un peu plus petite, comme il a tout craqué lui aussi. En tout cas, je suis tellement déçue là. C'est tellement cute. J'avais full haul, j'avais toutes les peinturées et tout ça. Pour la prochaine collection de Noël, jamais vous me dites en commentaire que vous trouvez ça cute, que c'était worth it, que je devrais ramener ça à la prochaine collection, vous me direz. Parce que je suis vraiment tombée en amour. Tout le travail aussi que j'ai passé à faire ça là, j'étais vraiment vraiment fière pour tous les petits détails. Mais pour l'année prochaine, je vais utiliser de l'argile que je vais vraiment aller faire cuire dans des fours à poterie. Je sais pas où est-ce qu'il y en a en Estrie, si jamais vous le savez, dites-moi là dans les commentaires. Mais c'est ça, le fait de cuire, probablement que ça va être ça le best. Ou utiliser une autre sorte d'argile, je sais pas, mais je veux vraiment ramener ça l'année prochaine. Je vais vous montrer aussi que tout n'est pas toujours parfait. J'ai eu plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Là, je suis présentement en train de faire des petites maisons de bois. Ça, j'ai acheté 3 sortes d'exactos différents pour arriver à couper genre les petites feuilles de bois. Ça l'a pris genre au 3e justement pour que j'arrive à couper. Puis c'est quand même beaucoup plus long que je pensais là, pour tout faire les petites fenêtres. Là. Mais ça s'en vient, mais c'est quelque chose que j'avais pas prévu dans le temps. Je pensais que ça allait se faire super vite. Puis finalement, ça prend plus de temps que se poser. Mais en tout cas, je vais tout continuer ça. Je voulais juste vous montrer là, les choses qui vont un petit peu moins bien. Mais sinon, vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais tout vous faire un haul de comme le produit final, comment ça a fini, tout ça. On se met à la tâche. Puis je viens de penser, je peux enfin vous révéler c'est quoi le logo. Là, il est à l'envers, là, mais c'est Laura Moore Création. Je l'ai tué. Ok, dans le fond, ça donne ça ici. Ça, c'est mon petit logo. Je capotais quand j'ai reçu le temple de voir mon logo, que ce soit enfin là. C'était juste fou. Puis là, mettons, à chaque petite étiquette comme ça de Noël, j'ai mis un petit collant avec mon petit logo. Je capote, vous comprenez pas à quel point à chaque step, genre recevoir ma petite étampe comme ça avec mon logo, c'était comme ah, it's happening! Quand j'ai pris mes étiquettes avec mon logo, quand j'ai commencé à faire des emballages, puis je voyais que ça faisait plus comme professionnel, toutes les idées qui me sortaient, que j'étais comme voyons. C'est merveilleux ça pour emballer. J'ai écouté plein de vidéos aussi pour me donner plein de trucs là par rapport à runner une boutique en ligne. D'ailleurs ça, quand j'ai commencé à faire mon site internet, c'était juste fou de voir genre le site qui est en train de se former, puis comme toutes mes produits, mes trucs, tu sais, ça devait, c'est une boutique, genre, hii! Tout le long, ça va être moi trop excitée, je suis tellement désolée, en plus, ça, je brouse la caméra de même, puis je suis comme, oh! En tout cas, j'arrête de parler, là, genre, vous comprenez le principe, donc je vais continuer de travailler là-dessus, puis on se reverra soit après pour vous montrer sur quoi j'ai avancé, ou sinon, ça va peut-être aller à demain ou après-demain, là, quand les choses vont avoir encore plus avancé, mais c'est ça, let's go to work, for real! Now. Ok, on se retrouve vraiment plus tard dans la soirée, il y a environ 9h. Là, j'ai vraiment avancé sur tous mes trucs. J'ai déjà soupé. J'ai besoin de parler. Mais ça me tentait vraiment de faire des petits muffins aux bananes pour avoir là, pour les prochains jours, parce que sinon, je suis tellement productive, je pense tellement juste à ça que je mange pas. Fait que là, ça me ferait comme un petit snack à grab and go. On va aller faire ça. Look delicious! Donc je vais peut-être en manger un, sinon je vais attendre que ça refroidisse un peu, puis je vais me remettre à travailler et nous on va se revoir après. B.
Good morning! On se retrouve aujourd'hui pour le jour J, le lancement de la boutique en ligne. J'en reviens pas, c'est déjà là. Et oui, je me suis changée en passant parce que j'ai continué de travailler sur mes trucs, puis je me suis pas rendu compte que j'avais tout taché de peinture. Mon crew neck préféré! C'est vraiment mon favori, puis là, la peinture, elle a toute séché, genre je m'en suis rendu compte trop tard. Je suis vraiment déçue, mais je voulais quand même vous montrer un peu comme mon genre de petite d'avancement, qu'est-ce que j'ai fait. Puis après ça, j'aimerais ça vous filmer un petit haul de ce que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique. Alors c'est ça, first. Vous vous rappelez que je vous avais présenté ces petits bonhommes-là en argile. Eh bien, ils ont tout cassé. J'ai pas touché aux autres, mais j'ai tout simplement acheté une différente argile. Je les ai toutes refaites, mais en tout cas, quand j'ai appris ça, j'étais bien déçue. Avec une petite gnome, là, toute craquée, là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon, c'est ça que j'étais en train de faire ce matin. Donc là, je vais essayer de pas m'encoter nulle part. Mais c'est ça, j'ai tout mis du spray paint, puis j'ai mis une petite finition aussi glossy. Et après ça, j'ai continué de travailler sur mon site web. Je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait quelques documents que je devais remplir et il y a comme un temps d'attente. Donc là, je commence à être vraiment stressée de pas pouvoir launch ce soir. En tout cas, sinon ça sera juste comme le lancement, le reveal de qu'est-ce que c'est mon projet. Anyway, je vous dis tout ça, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà tout vu ça passer. Mais c'est ça, là c'est le temps de vous faire un petit haul. Alors comme vous pouvez voir, juste en arrière de moi, le sapin de Noël est fait. Le restant de l'appartement et du salon est vraiment pas décoré. J'ai pas fini de faire ça. On a seulement fait le sapin. Mais je suis vraiment contente que ça soit fait. Ça met une belle petite ambiance dans l'appartement. Puis le temps des fêtes, c'est tellement magique, tellement le fun. Alors entre temps, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé dans le fond le tout premier vlogmas. Je voulais prendre l'avance pour être sûr que ça soit posté le 1er décembre et j'avais vraiment vraiment hâte de le décorer aussi. Donc on en a profité pour faire ça ce week-end. Alors sans tarder, je vais commencer à vous montrer mes petites créations. Donc ça fait déjà quelques jours là, que j'ai filmé le début de ce vlog-ci. Donc ça se peut que je radote un peu, là. Mais dans le fond, ce que vous allez retrouver sur ma boutique, c'est des ornements, des étiquettes pour cadeaux, des petites maisons. Faire comme un petit village un peu plus moderne, épuré, très simple. Vous allez aussi retrouver des petites guirlandes pour soit mettre ou votre cheminée ou un beau petit meuble. Ou vous pouvez aussi les ajouter dans un sapin de Noël. Et pour finir, j'ai créé deux housses de coussins. Alors c'est ça, je vais commencer par vous montrer les petites choses qui sont les ornements. Mais j'ai créé un petit ornement en bonhomme pain d'épices avec une petite tuque verte. Genre, juste le format de la tuque, c'est tout petit, c'est tellement cute. Et si vous saviez tous les moments où j'étais comme découragée, je voulais pas le vendre, je savais plus quoi faire. J'étais vraiment indécise par rapport à ces bonhommes-là parce que la première argile, ça n'a pas fonctionné. Là, je l'ai refaite avec une différente argile et là, ça a fonctionné. Et finalement, quand je me suis décidée à ajouter la petite tuque, j'étais comme ok, ça change tout là, c'est parfait. Avec en plus les petites cordes que j'ai passées dans les trous comme ça. Alors voilà, un bel petit ornement que vous allez pouvoir mettre dans votre sapin. L'autre ornement que j'ai créé, c'est une petite canne de bonbons, vraiment cute et pas comestible malheureusement. Alors c'est une belle canne de bonbons blanche et verte. Je la trouve vraiment cute, super simple, pas trop grosse. Vraiment la texture surtout là, j'adore. Et le petit dernier, c'est un ornement en sapin avec des petites perles de bois. Donc vraiment cute, un peu illustré avec les petites lignes dedans. Je veux pas que ça soit toute plain, un peu boring. Là, je veux quand même qu'il y ait des beaux petits détails. Alors voilà pour les ornements. Ils sont toujours dans les petites choses. C'est des étiquettes cadeaux. Et là, je vais commencer par vous montrer mon préféré. Celui qui m'a pris le plus de temps à faire, mais je suis vraiment fière. Il est vraiment cute. C'est un petit étiquette du Père Noël! Alors c'est comme si ça venait du Pôle Nord, j'ai fait un peu comme un shipping label. C'est vraiment cute avec les petits systèmes pis tout, du courrier du Pôle Nord. Ne pas ouvrir avant le 25 décembre, transport par traîneau aérien. Puis il y a la petite signature du Père Noël avec sage de cocher. Alors ça ajoute une petite touche magique à vos emballages, sinon pour des enfants aussi là, je trouve que ça peut être vraiment cute. Mais ouais, c'est vraiment un de mes préférés, j'adore comment c'est ressorti. Petit mariage. Et l'autre étiquette, c'est un modèle vraiment plus simple avec un petit détail d'une étoile dans le bas. Il est déjà écrit A nanana de nanana. Vous allez pouvoir écrire vous-même à la main avec une petite corde blanche et verte. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment la simplicité. Et maintenant pour les guirlandes, j'en ai trois à vous présenter. Il y en a une qui est un peu plus bruyante, mais vraiment cute, vraiment magique. Ça ramène le petit côté festif de Noël, là. C'est une petite guirlande avec des grelots vintage dessus. Tellement cute, avec la petite corde toute tressée. Ça a tout été attaché aussi.
dans chaque petit trou pour être sûr que ça soit bien solide avec les petites hoops au bout pour que vous soyez attaché sur soit la branche de votre sapin. Vous pouvez même les mélanger avec les deux autres, là, ça match super bien. Alors voilà. Et celle-là, comme mon chum dirait, la plus silencieuse, c'est une petite guirlande en pompon! Fait que ça fait comme des petites boules de neige, ça a juste vraiment un petit côté tout cute. Je l'aime vraiment. Encore une fois, toute la petite corde tressée, les pompons sont toutes faits à la main. Donc voilà, elle est vraiment cute, je l'aime full. Et la petite dernière, c'est une classique en bois avec des perles de différentes grosseurs. Alors vraiment cute, super simple. Puis elle ressort vraiment beaucoup dans le sapin aussi, c'est vraiment beau les petites boules là, que ça ajoute. Là, mon chum, il a justement vraiment un coup de cœur qu'on lui dans le sapin. Malheureusement, on peut avoir aucune de mes choses chez moi parce que la quantité est limitée, puis je vais vraiment vous la laisser à vous. Alors comptez-vous chanceux. Ok, j'ai dû faire une petite coupure, mon chum vient de partir. Il était assis à côté de moi à m'écouter, il était genre oh my god! Parce qu'il est aussi excité que je pars ma boutique en ligne, c'est juste fou. Puis j'en parle depuis tellement longtemps. Puis il m'a vu travailler à faire des journées de fou, de genre me lever à 9h, me coucher à 3h, 3h30 du matin, toute les jours depuis des semaines. Donc d'enfin le présenter et tout ça, là, c'est vraiment excitant pour nous deux. Bref, les prochaines choses que je vais vous montrer, c'est les coussins. Alors malheureusement ou heureusement pour ceux qui en ont déjà plein chez eux, je ne vends pas le coussin qui va à l'intérieur, je vends vraiment juste la housse de coussin qui a tout été cousue par moi. Alors la première housse de coussin que je vais vous présenter, qui va être disponible sur ma boutique, c'est celle-ci! Donc c'est un beau coussin 18 par 18 pouces. Donc facilement à l'intérieur, vous pouvez rentrer un coussin 20 par 20. Ça fait vraiment plus snug, un peu plus serré, puis full puffy. Moi je trouve ça beau quand les coussins font ça. C'est pas mal la grandeur générale aussi que vous retrouvez en magasin, des 18 par 18 ou des 20 par 20. Donc c'était vraiment important pour moi de faire une grandeur que vous allez pouvoir utiliser par-dessus les coussins que vous avez déjà. Donc c'est ça, c'est un petit coussin en sherpa. Alors tout doudou, effet mouton ou tissu bouclé. En tout cas, il y a vraiment plein de description de ce type de tissu là. C'est un beau blanc pur et ça vient avec des petits pompons à chaque coin, encore une fois tout fait à la main. C'est vraiment cute entre des petites boules de neige, ça rend le décor vraiment cosy. C'est le genre de coussin aussi que vous allez pouvoir garder là tout au long de l'hiver. Vous allez voir, je suis restée quand même assez neutre, je voulais pas que ça fasse trop Noël, qu'il soit écrit Merry Christmas dessus. Je voulais que ça soit justement des coussins que vous allez pouvoir garder toute une saison, puis quand le printemps été va arriver, vous allez pouvoir changer vos coussins. Super cute avec les petits pompons. J'ai mis un petit étiquette avec mon logo. C'est full spécial pour moi là. Quand j'ai coupé l'étiquette que j'ai fait moi-même, by the way, j'en venais pas que ça soit là. C'est mon petit logo. Et en passant, toute l'arrière de mes housses de coussin est fait en enveloppe. Donc vous avez tout simplement à rentrer le coussin ici. Et l'autre coussin, c'est celui-là. Et là, j'espère qu'il sort bien à la caméra parce que quand j'avais pris des photos, ça ressortait plus un genre de vert émeraude là, que ça s'appelle. Mais il est vraiment vert forêt. Le vert de Noël. Parfait pour votre décor. Alors c'est un tissu fait à 100% de coton et j'ai ajouté une petite couture blanche de chaque côté pour ajouter un peu plus de texture au coussin, mais ça reste vraiment simple, presque uni. Donc encore une fois, vous allez pouvoir les garder tout au long de l'hiver. 18 par 18 pouces, un coussin 20 par 20 rentre à l'intérieur. Celui-là est fait en petite enveloppe également. Et bien sûr, la petite étiquette, un petit logo. Ok, il reste à vous montrer les petites maisons pour vous créer un beau petit village. Donc j'en ai en bois et d'autres qui ont comme un petit effet neige. Il y a deux formats différents, une plus haute, une régulière que j'appelle un petit format. Alors voilà de quoi on a l'air. Celles en bois, ils ont toutes été coupées à la main, chaque morceau, petite fenêtre, les petits barreaux aussi. Ensuite ça a été teint de deux différentes teintures, plus naturelle et plus foncée pour le top. Et ensuite pour la finition, j'ai ajouté un petit vernis. Alors voilà, beaucoup de travail pour ces petites maisons là et je suis vraiment contente du résultat. C'est super léger, ils sont très simples aussi, donc si vous aimez les trucs un peu plus minimalistes comme moi, vous allez aimer ces petites maisons-là. Et les autres petites maisons minimalistes faites en neige, c'est celui-là ici, encore une fois, deux différents modèles. J'adore la texture sur ces maisons-là. Je trouve ça absolument cute. Le fait qu'ils sont vraiment très modernes, super simples, la shape, pas trop de détails, c'est vraiment ce que j'adore dans le décor. Et le fait qu'on voit vraiment toute la texture, c'est le but en passant, que ce soit imparfait. On dirait comme une petite igloo moderne dans le fond avec des fenêtres.
J'adore ça. Et après ça, j'ai ajouté une petite finition lustrée pour donner un peu plus un effet de porcelaine un peu. Mais voilà, le format plus haut, le format régulier et l'arrière, c'est complètement plein. Vous allez pouvoir mettre aussi dans chaque maison des petites bougies. Je vous recommande des fausses par contre, là, à cause de la chaleur puis tout, on veut pas abîmer ça. Surtout elle en bois, là, j'irai pas mettre une vraie bougie. Donc en fait, toutes les collections qui vont être disponibles sur ma boutique en ligne, ça va vraiment me représenter. Ça va être des idées simples et esthétiques, comme j'aime tant dans les décors. Et si vous me suivez, vous regardez mes vidéos de makeover et de décoration et de DIY depuis vraiment longtemps, ben je pense que vous aussi vous aimez quand même ce style-là. Puis je vais mettre une boutique en ligne, puis vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Je trouve ça le fun! S'il y a des choses que vous avez vraiment un coup de cœur là, durant ce petit haul-ci, allez voir. J'ai quelque chose à dire aussi par rapport à la livraison. Malheureusement, la livraison internationale ne sera pas disponible. Ça va être seulement fait au Canada. Et je suis terriblement désolée pour tous mes abonnés français. Je suis vraiment une petite entreprise. Je viens tout juste de commencer. C'est mon tout premier lancement et je suis encore en train d'apprendre. Mais je dis pas que ça sera jamais disponible. C'est vraiment mon but qu'éventuellement ça le soit. Mais là, c'est ça. C'est vraiment une petite entreprise. Tout petite, mini, là. Et pour le moment, c'est option-là sera pas disponible. Je me sens tellement mal, je suis vraiment désolée. Bref, je voulais aussi vous parler, clarifier, spécifier la politique de retour. Malheureusement, vu que c'est des collections très limitées, que c'est tout unique et fait à la main, il y aura aucun retour et remboursement des achats que vous allez faire sur ma boutique. Je sais que des fois, pour quelques personnes, ça peut être un peu réticent. Encore une fois, je suis vraiment une toute petite entreprise. Je fais toutes mes choses à la main. Et ça, c'était vraiment la meilleure option. Et c'est pour ça que je trouvais ça vraiment important aussi de faire un haul aujourd'hui pour tout vous montrer les produits qui vont être disponibles, les textures, les couleurs, les dimensions, faire des close-up pour que vous ayez vraiment le feeling que le produit est là. Donc en espérant que ça vous rassure si jamais l'option retour et remboursement vous stressait, et je reste quand même confiante que vous allez aimer mes petites créations. Alors voilà pour le haul, donc là je vais aller continuer de travailler un petit peu sur le site web. Je vais me préparer aussi pour toutes les commandes, vous montrer un peu mon setup, de quoi ça va avoir l'air, et après ça je vais me concentrer sur le lancement. Alors c'est ça, je m'en vais faire ça. Ok, alors je viens de finir de tout setup pour tout emballer les commandes. Alors j'ai des petits bubble mailers ici de différentes grosseurs, le tout petit à grand comme ça. J'ai des boîtes aussi pour pouvoir envelopper les maisons. J'ai des petits collants pour pouvoir refermer les boîtes. J'ai ici mon étampe avec mon logo et mes petites cartes de remerciement. Je les aime tellement, je les ai faites spécifiquement pour la collection du temps des fêtes. Et regardez l'arrière avec la petite boule de Noël attachée sur le P. Vraiment, là, je suis full contente du résultat de ma petite carte de remerciement. Donc vous allez avoir ça chacun dans votre colis. Puis j'ai une boîte avec tous les petits flafla qui vont aller dans le fond pour protéger les colliers puis faire cute en même temps. J'ai un petit balance ici pour pouvoir peser les colliers pour savoir combien ça va coûter le shipping. Puis j'ai tout fait un bac avec les trucs un peu plus gros de shipping. Donc j'ai les boîtes pour les plus grosses commandes, j'ai du papier de soie, j'ai le restant des petites boîtes, j'ai du tape, les rouleaux aussi pour emballer les choses fragiles. Donc ça va pas rester comme ça là. Mais au moins tout est dans un bac, c'est facilement accessible. Puis c'est ça. Alors là le temps passe super vite, faut que j'aille filmer les stories Instagram pour pouvoir poster sur mon compte et sur le compte de ma small business. Mon site internet c'est encore en train de loader, d'avoir une attente. Donc ça j'essaie de pas avoir de breakdown. Peut-être comme ça va être prêt à temps, mais je pense pas, donc je pense que je vais juste devoir vraiment me parler puis me dire que c'est ça qui est ça, puis faut que j'aille filmer les stories de toute façon, fait que je vais devoir le dire que le site n'est pas prêt, mais au moins je vais avoir fait le lancement. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo spéciale aujourd'hui, elle vaut tellement cher pour moi. C'est la toute première vidéo où est-ce que je fais enfin le dévoilement et le haul de ma toute première collection. Alors c'est vraiment très très spécial pour moi, puis en espérant vous retrouver sur ma boutique en ligne, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller magasiner. Alors si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Laura Moore avec 3 L, et sur mon compte de business qui est Laura Moore Création avec un S. Il va y avoir plein de petits contenus, petits behind the scenes, des petits ASMR, des vidéos d'emballage de colis, le processus de comment j'ai tout fait ça. Et c'est ça, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!